Et le combat est parti. Les Bretons avancent. Un combattant de la lance limousine se retrouve tout seul. Les percussions de chaque équipe. Et un combattant va-t-il... Vous pouvez voir qu'il va peut-être passer au-dessus de la lice. Un de ses coéquipiers lui retient les jambes pour éviter qu'il passe de l'autre côté de la lice. Les coups de fauchon sont terribles. Une percussion. On essaye de chasser l'adversaire, ses jambes pour qu'il tombe. Premier combattant de la lance limousine au sol. C'est un 4 contre 5 pour l'équipe de la grosse vue. Allez, les arbitres sont impitoyables. Un combattant a été mis au sol car il a tapé un autre combattant alors qu'il était déjà tombé au sol, ce qui est interdit. Il est donc éliminé. Un autre combattant de la lance limousine est tombé. Allez, prenez l'encouragement bien fort. Deux Bretons contre... Est-ce que tu as quelque chose à dire, François-Éric et ton équipe? Non, oh, pas de commentaire. Et c'est un 2 contre 2. Tout est à refaire. Quelle équipe va l'emporter? Encouragez-les! Allez! Les combattants tiennent. Et c'est une double chute. C'est un 1 contre 1. Avec une certaine différence de taille et de poids entre les deux combattants, comme vous pouvez le voir. Le combattant de l'équipe bretonne met tout son poids sur l'autre combattant afin qu'il tombe. Vous pouvez voir que le combattant de la lance limousine a déjà son armure sur le dos, plus un autre combattant avec son armure sur le dos. Alors on peut les applaudir. Bravo à tous. L'arbitre Romain, avec son drapeau jaune, va lancer le combat. On remarque quand même que Romain est en sous-vêtement puisqu'il n'a pas de chausses. Tout à fait. Il aurait quand même pu mettre des chausses pour l'événement. Hein. C'est ça, il n'a aucun respect cet arbitre. En termes d'historicité, c'est moyen. Voilà. Et il y a des enfants. Tout à fait. Et c'est terrible, attention, un combattant de la lance limousine, deux combattants de la lance limousine déjà au sol. C'est un 5 contre 3, c'est violent et c'est un double chute, c'est un 4 contre 2. 4 contre 2, les coups de hache sont terribles, on tape, le but est de casser l'adversaire afin de le faire tomber. On va voir avec tes enfants si c'est sympa, est-ce qu'ils aiment bien? Oui, génial. J'adore. C'est vrai, bah, c'est cool, c'est les paix et bonnes réponses. Que ce soit la douleur, le mental, on essaye tout pour faire tomber les adversaires. Voilà, c'est un 14 juillet des matins. Et le combat est terminé car il reste 3 contre 1 combattants. On les applaudit. Victoire pour la Bretagne.